Et un rassemblement a été organisé ce midi devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Il y avait des employés de la SNCF, mais aussi d'EDF et de La Poste. Au total, 200 personnes qui répondaient à l'appel de plusieurs syndicats. Objectif de ce rassemblement, la défense d'un service public qu'ils estiment menacé. Aujourd'hui, on voit bien que dans ce pays, et y compris au niveau européen, l'objectif affiché, il est clair, c'est s'attaquer à tout ce qui est service public. Au nom de d'une concurrence soi-disant loyale, mais qui en fin de compte est bien déloyale. Et donc, on voit bien que ce sont les mêmes recettes qui sont mises en œuvre dans les entreprises telles que l'EDF, EDF-GDF, ainsi que la Poste et donc à la SNCF.